Cosmeja avait une vocation au départ d'élevage depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, mais également la réputation de grenier à blé de la Lozère. Des céréales sur le Cos, il s'en est toujours fait, toujours plus que les besoins pour les animaux. Alors, le moulin de la Borie, c'est l'idée de quelques-uns qui voulaient de leurs mains remonter simplement du bâti, du patrimoine, et puis faire une action qui mutualiserait l'énergie des habitants du territoire. Il y a 2 ans, on a créé ce projet de remettre le moulin de la Borie en fonction. Au départ, c'est pour créer un peu d'animation sur le Cos. Suite à ça, la mairie a été informée, j'ai été informé par ce groupe, et on a voulu faire évoluer ce projet en un projet de territoire un petit peu plus large, c'est-à-dire y associer la population et y associer éventuellement une action économique. Donc on a imaginé que ce moulin, à l'origine, produisait de la farine, et donc pouvoir à nouveau produire de la farine. Pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on sème pour faire des essais avec le meunier, un collègue qui a un petit moulin à meule de pierre pour mettre au point les farines et expérimenter nos mélanges. Essayer de faire une farine authentique, de qualité, avec des vieilles variétés. Pour l'instant, on a fait une grille de semis. Certains agriculteurs ont implanté du seigle, d'autres ont implanté du petit épeautre, d'autres ont implanté de la touzelle, mais on reste quand même sur des variétés authentiques pour se diversifier avec ce qui se fait actuellement. C'est un petit peu plus compliqué à produire, les rendements sont moindres, mais au niveau qualité, ça n'a rien de comparable. Normalement, la récolte devrait être bonne. Hein. Pour l'instant, là, les adhérents sont ou en bio, ou en conversion, ou en agriculture bien raisonnée. Et on est en train d'éduquer les nouveaux éleveurs à rentrer dans ce système avec une charte bien spécifique, pas de produits phyto, pas de limité à 70 unités d'azote. On rencontre des difficultés, effectivement, il y a des perceptions de production qui sont différentes, mais la mairie souhaite absolument favoriser un dialogue, un échange, pour à la fois concilier les différences de production et l'aspect touristique sur ce projet-là. Donc, à l'occasion de rénover ce moulin, on a découvert d'autres choses, c'est-à-dire qu'on a les obligations réglementaires, notamment les fouilles archéologiques, qui nous ont permis de voir que ce site était déjà occupé à l'époque romaine. Ça a apporté d'autres atouts. On a souhaité y associer la dimension touristique. Ça contribue sous tout un panel d'actions qui renforce la vie sociale et la vie et la dynamique de ce territoire. Les variétés de farine qu'on utilise ont moins de gluten, ont moins de protéines, donc il faudra que les boulangers fassent des essais pour s'adapter à ce mode de façonnage. Et puis après, ça sera à eux expliquer à leurs clients la différence entre ce pain et le pain traditionnel. Nous, ce qui nous a plu dans ce challenge, c'est l'aspect fédérateur, l'aspect territorial, la synergie et la mise en commun des énergies des habitants de ce territoire, leur envie et surtout leur goût du patrimoine.